Premier ministre Ariel Henry, peur. Li peur pour yon pas assassiner, même si ensemble avec président Jovenel Moïse, puisque li pa yon homme qui est extrêmement puissant, si yon ka assassiner président en dedans chambre la Kaili, et lui-même. Ces déclarations ça le fait devant un journal dans le pays Chili. PM nan senti le persécuté. Et chaque l'a quitté le pays, eh bien l'esprit extrêmement bouleversé. Mais celle ça le connaît. Assassiner moun kap dirige ou, c'est pas solution le bras le poté. Mais PM, mon petit question. Et dossier assassinat Jovenel là ou refusial pour al répondre question la justice. Non kap cite là dans c'est quoi l'histoire? M'bra l'expliquer ou. Sans oublier, maintenant ton c'est juste frappé fort. Et bien en vidéo ça, ou pral connaît tout petit détail sous implication Premier ministre Ariel Henry dans assassinat président Jovenel Moïse. Daniel Foot frappé fort. Et bien les lagon plomb 17 longue dans de gwen Premier ministre Ariel. Et m'a pas caché di ou, après déclaration ça, si PM n'a campé, c'est grâce à sa mavet si bay, mini justice la qu'on a bali ba en bas. Sans oublier, ancienne première dame, Michel Bennett Duvalier. Eh bien, levé, ex-président Chambetre Aristide, ou tête-tête, il fesse la tête, après ça, le ralon camion marque, il coupe code frein, et puis il passe sous lui dans une déclaration, piment bouc li fait. M'ga l'explique ou, gentil proverbe créole l'a dit, chien qui habitué manger zé, eh bien, c'est dans manger zé la mouri. Et c'est sous parole, ça m'a dit, ou bienvenue. Pendant que m'invite ou gale chez ou chita, faut qu'on s'en faut pas ou rentre la caille ou c'est un plaisir, m'bral ba ou tout ripota y sa ou nan bon timamite, sans retirer et sans mité. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdi ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche de notification pour là. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est Zami Pao Foucault. Nous avons eu la chance de présenter un petit compte aïe. Et compte ça, qui c'était, eh bien, moi passé dans la cour, moi dit bonjour, tout grand monde répond, tandis que tout jeune monde n'a pas ouvert bouche. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse lancée pour Congo. Un petit cri crack pour nouveau compte nous gagner. Physique ou tirer loin. Physique ou tirer loin. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, j'en comme t'es annoncé ou, je nous tout te connais tout. Premier ministre Ariel Henry, t'es dans le pays Chili. L'État participe, eh bien, dans la cérémonie investiture nouveau président Boric, qui est président Chili. Donc, eh bien, docteur Ariel, que président Jovenel Moïse t'a nommé 48 temps avant assassinat, monsieur fait une grosse déclaration. Et nous connaissons mission, c'était assurer sécurité et faire élection dans le pays. Mais il n'y a pas écarté possibilité pour le mourir sous pouvoir, même je ensemble avec ancien président Jovenel Moïse. Dans une interview, li bay ak yon journal dans le pays Chili, il déclaré qu'il y a grand risque pour m'assassiner, même je ak président. Il est conscient, depuis le jour qu'il est entré en fonction, si yon te assassiné président dans la chambre la Kaili, malgré tout agent sécurité sa yo, et moi-même, moi pas yon homme super, yon capable assassiner m'tou. Li sentil menacé, oh my gosh, qu'est-ce qu'a menacé PM? Li sentil menacé, et menace sa yo tout mente l'esprit, matin, midi, soir, à chaque fois la blessé le pays. Oh my gosh, mon fort. Faut avancer ça, faut avancer ça. Parce que me rappelle, frère et soeur bien-aimé, eh bien, dans la déclaration journal international, il fait,
Donc, le président a sorti là-dessus. Qui complot qui te gagne, puis te tout prendre, kidnappé, ma kon kote ou ta pral avèl. Donc, c'est normal, à chaque fois, Ariel a quitté le pays, il pas qu'on est là pour tourner, si même nèg sa ou pas fait complot, prend le tout. Et ça grave la frère et sœur. L'on participe non bagay ou qui va les démarches. Comment garder nos nèg yo tracer plan. Donc ou même si on choisit faire chimé kochi ensemble avant. Pas que pièce moun qui pral camper capement de justice pour nous. Elle la bagay la dit. Donc premier ministre l'a senti que le menacé à chaque fois la quitte pays. Donc elle déjà lui expliqué moi fait expérience les que moi même t'allé go naïf 1er janvier journée indépendance pays d'Haïti. Machine moi yo tiré sous lui et c'est seule machine qui t'a gagné Maktoubal là-dedans. L'autre machine yo, yo pas tiré sur yo. Donc à n'importe qui moment moi même tout m'te ka mouri. Mais PM nan indiqué tout yè moun kap dirije ou c'est pas solution, elle pas bay résultat. Ah bon? Et ça fait de tout yè Jovenel. M'pense n'ta jwenn solution ak résultat. Attendez, monsieur, ça rien la fait me comprendre là. Ça la traka pour la vekaite. Toujours dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, frère et sœur bien-aimé Jean, premier ministre Ariel Henry, eh bien, a fait des déclarations clopi-clopan, eh bien, fait paraître suspect plus toujours dans le dossier assassinat président. Comment vous te comprendre pour yon moun parler ensemble avec yon bon ami dans 5? Et puis, si 7, li pas songe s'il te parle avec un moun comme ça. Bon ami ou. Et PM nan te kap, elle fait déclaration ça dans scoop. Qui est-ce qui pas konn Badio? Badio c'est ami, Badio c'est moun moun konnen bien. Et Rodolphe Jarre même confirmé pour le dire, eh bien Badio tellement bien ensemble avec PM, li contrôle l de A à Z. Comment yon moun ki contrôle ou de A à Z ou son gel te parle ensemble avec dans 5 et puis 6 7 ou paraplos ou te parle ensemble avec? Donc franchement frères et sœurs bien-aimés, confuse. Mon invité ou tande, Met Newton Saint-Just ka bay plus détail sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il est clair que gagnent de plus en plus des éléments, disons mieux des indices qui montraient que gon implication de monsieur Ariel Henry avant, pendant ou après crime. Maintenant, il appartiendra à un magistrat ou magistrat instructeur pour le déterminer. Et il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre. On dit d'abord la confession de M. Ariel Henry qui était dit, en outre, on t'a souvenu, là où il dit qu'il était parlé avec Badio, Félix Badio, mais bien avant ça, il était confessé que 16 ans, il connaît, et il n'a pas quoi que M. Ariel a fait un bagage comme ça. Bon. Il n'a pas de moyens pour ça, tellement il connaît, tellement il connaît. Mais après ça, on a rappelé que soit nous prenons notre bureau de communication pour le ministre, là, ou nous prenons une déclaration pour le ministre, fait lui-même là, le 17 février dernier, dans Miami Ralph, il dit que le jour 6-7, il était tellement pour se voir appel, il n'a pas songé que s'il était parlé avec le monde qui est le Badio ou non. Et il dit même là, il t'a parlé avec elle, ça n'est pas important, mais il n'a pas songé qu'il était parlé avec elle. Mais il dit dans l'interview ça, c'est important. Mais le 5, il a songé qu'il parlait avec Badio. Eh bien, il passe en 6-7 s'il n'était pas là avec Badio, mais le 5 n'était pas là avec Badio. Et c'est pas mon idée trop bien venu réexaminer. Eh bien, depuis les monsieur fin dans marron, il n'a pas parlé avec encore. Donc, autant de contradictions qui montrent. On dit qu'il n'y a pas qu'on a la caille, mais son monde connaît. Toujours qu'un bec. Dans la première interview, moi, d'autre là, il dit très clairement que le compte Badio, bien tellement qu'on est, Badio le connaît pas qu'à fond bagarre comme ça, pas qu'il y a moyen pour faire un crime. Son espèce de déchiré. Oui, ils sont malheureux, ils connaissent pas. Il dit, il pas comme s'il était participé, donc même il n'a pas de moyen pour le planifier. Qui est le fait qu'on bagarre comme ça? Ça, son bagarre qui est grillé, comme pour le ministre, je pense que c'est. Il n'a pas pensé, il n'a pas pensé que. Non, mais comme premier ministre, comme premier ministre, parce que je suis allé très loin pour le défendre Badio. Il appartient à la justice pour faire ça. Mais deuxièmement, dans l'interview que je fais l'autre jour avec Miami Herald, c'est comme si je me disais deux bagages différents. Certainement, il dit que il n'a pas songé. Bon, comment comprendre? Il y a un premier ministre, mais n'importe qui citoyen, on joue crime dans
premier ministre pas son rien qui t'est passé dans ce soir, mais le 5 de son il pas là que Badjou. Je ne comprends pas ça moi-même. Mais le problème qui se pose, c'est que toute contradiction ça revient après révélation RNDDH fait ça qui inscrit dans le rapport à la police là. Mais qui j'ai pour nous comprendre ça? Juge d'instruction, hein, ça qui intéresse elle, c'est pas preuve, c'est indice. Ça, c'est déjà un indice. Tout le monde qui te parle avec un monde qui était dans le crime, quelques heures avant, quelques jours avant, jour crime ou après crime, eh bien, il y a des questions, il y a des indices qui t'a dit qu'on a un crime. Ça ne veut pas dire que c'est au combat. Donc, on est capable de faire objet d'instruction. Or, dans le cas de M. Ariel Henry, non seulement que il établit que il a un échange entre lui-même ensemble avec Badjo avant, après crime, donc c'est déjà des éléments convaincants qui pourraient constituer des indices pour un juge d'instruction réel pour la bonne explication. Parce que c'était moi-même avec ou le concerne de droit de pénitentiaire. Mais comme c'est premier ministre, et d'autant plus que pas oublier que M. Ariel Henry, il y a une position qui est capable de permettre de faire obstruction à la justice. Et il y a des bagailles qui sont encore suspectes. Par contre, vous songez à la déclaration que le premier ministre a fait avec CNN pour ce Colombien. Il n'y a pas parce que le Colombien vous dit qu'il y a des bagailles ça, et bien, il n'y a pas faim, hein, et il est prêt pour voir la caille. Mais qui doit pour le ministre pour parler de bagailles comme ça? Mon dossier qui est en cours d'instruction. Et si nous prenons les décisions suspectes, ben, drôle que le premier ministre prend, Jean-Louis Thierry, il n'y a pas qu'à Port-au-Prince, mais la justice, et ensemble, l'autre décision le prend. Ça confirme cette conviction que nous avons, à savoir son crime qui est planifié par les plus hautes sphères de l'État. Et moun qui dit clé des plus hautes sphères de l'État, Jodia, c'est M. Ariel Henry. Non. Ou imaginons, parce qu'elle a compliqué, extrêmement compliqué. Eh bien, moun qui dit qu'on ne s'en pas songer s'il te parle, même avant de mettre notre déo pour le dire, pas songer. Eh bien, c'est même moun sa qui est révoqué, moun kap cherche, moun qui dit faut venir répondre question sous appel là. Mais comment faire ou songer pour révoquer, ou songer ou te parle sec, ou songer ses bons amis, et puis 6, 7, ou pas songer s'il te relo. Mais téléphone ou nan mais ou capable de vérifier dans historique d'appel pour sou gen appel manqué. Et dit, ça te confirmé, ce n'est pas appel manqué. Mais il parlait en première fois, elle parlait en deuxième fois des appels qui pral fait un total de 7 minutes à combien de secondes sous lui. Non, pas yo compliqué. On continue. Moun m'ap gade, elle pas ni zamin, ni elle-même. Moun m'ap gade, ya, comme si ça veut dire un feeling que c'est pour un criminel. Donc, li pat nan préparation et yon crime comme ça. Ma bonne opinion. Maintenant, compte tenu de rapport que nous avons avec Badjo, il y a une information peut-être après ou bien pendant, je ne sais pas. Mais pour nous dire que nous avons un moyen, je ne sais pas moi-même. Mais cependant, dans le crime, ça, ou qu'il y a une participation avant, pendant et après. Et ma conviction, c'est que après, comportement pour le ministre, j'ai géré une relation avec Badjo. Parce que je ne sais pas, même si tu as parlé avec Badjo après le crime, or, dans le moment où tu as un mandat d'elle. Comme vous, le ministre, tu as parlé avec elle, c'est pour te dire, contourner là, mon frère, pour prendre, vous mettre à la justice. Donc, c'est un acte de complicité postérieur à l'infraction. Eh bien, quoi, tout le monde qui est dans la pénitentiaire, là, je vous dis, qui a tant de répondre à une question, M. Ariel Kadoué sous une liste, d'autant plus que, il fait objet d'une plainte de famille Moïse et commissaire gouvernement, malgré tout ça, il y a un monde capable de dire, mais il était déjà apprêté et pour lui, il y a un réquisitoire d'informer. Bah, qui soit supplétif dans le cabinet d'instruction, eh bien, ça, la piste, ça, on ne peut pas sortir là-dedans. La piste Ariel, c'est une piste qui est fondamentale, pour, même pour Ariel Henry, pour capable, c'est-à-dire, laver, et pour capable faire monsieur clair dans le bagage. Il faut que la justice dise, mais si c'est le juge, parle la chercher, les amis, parle la chercher pour bailler dossier, eh bien, il est clair que le gouvernement bouge. Et d'ailleurs, n'importe instruction faite dans le dossier, ça. Qui n'est pas tenu compte de Ariel Henry par instruction. Mais regarde, nous faisons une fixation sur Ariel Henry. Non, non. Pendant écoutez, ça, écoutez, je vous ai donné une bonne opinion. Déjà, c'est un peu. Moi, je vous ai donné une opinion. Où est-ce que dit ça pour Ariel Henry? Oui. Comme l'icône Badjo, il dit que ça me connaît là, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Non, mais non, on a parlé d'un premier ministre qui,
si ou parler avec un monde comme ça après que nous n'avons pas songé, ça t'a grave en pile. Ils ont même nous m'a dit que pour le ministère, il y a un problème de capacité physique. La mémoire, bon, j'ai fonctionné. Bon, même le tablier, vous n'avez pas là avec vous ça. Le y a vint dire qu'elle était dans le criminel, il a songé le monde comme ça, terrible, ou même t'as gardé le raton appel comme ça. Donc c'est un mensonge. Grand monde pas menti, vous savez, ça que passe le bail menti, surtout dans le bagage, c'est que vous avez tout besoin de mentir pour cacher. Mais ça, je vous l'ai dit. Dans le cadre de ce dossier, tout piste doué sous table là. Et, nous, c'est comme ça, par exemple, j'ai mis en interview l'autre jour avec une chaîne dominicaine, il dit, mais qui ça monsieur fait, qui a fait accepter monsieur pour le ministre là toujours? Pas parce que monsieur bon bagaille pour lui dans le crime, non, mais il doit mettre à la disposition de la justice pour tout le monde pour le bas explication. Parce que il y a des éléments qui t'a, il y a des indices qui t'a fait quoi que les gens vont bouffer le dossier. Mais l'autre bagage encore, permettez-moi de conclure sur ça. Comportement gouvernement, nous dit déjà, et nous, Jean, on le sait, devant la justice américaine, le gouvernement haïtien a absent, comme si l'État haïtien n'a pas d'intérêt dans ce dossier. Mais Ariel Henry a un rôle pour jouer comme premier ministre. Et nous sommes capables de dire aujourd'hui pour que ça l'État haïtien pour même présenter un document par devant la justice américaine pour expliquer les griefs que ça causait et sous situation, le monde qui a arrêté mes derniers bagailles. Bagaille la simple, c'est parce que yon pas d'intérêt dans ça. Yon pas d'intérêt. Si yon te gen intérêt, ou ta poids yon avance, ou pas rester de plus à quoi yon parle, ou pas rester plus pour moun jouen nan mousso gato kap diskite, c'est parce que yon gen intérêt dans ça. Ça, c'est pour montrer nan ki niveau, eh bien, responsable politique nan pays d'Haïti, passe pran société civile, mette ensemble avec res moun nan pays a ki genye ti mousso légitimité, yon tout impliqué nan touye président, yon pati yon même, alfin touye lakali, yon même yon te getan fon campagne gade non pour assassiner caractère l'autre là. Son bagay ki aussi c'est parce que journée jodi a yo t'ap gen intérêt, c'est eux même qui t'ap fait des démarches, c'est eux même qui t'ap exige communauté internationale là. Mais ouais, gade nous, yo tout chita sous des blocs glaciaux. Et non seulement ça tout, si journée jodi a ou ka wè yon ex-président sorti dans silence, c'est déclaration ça li fait. C'est déclaration ça li fait. Contre yon citoyen qui assassine Andan Kaeli, non seulement moun sa te prête, et c'est lui même te capable di qui représente la démocratie dans le pays d'Haïti. Donc, ou tout wese, gade nous c'est tout qui mette tête yon ensemble, just pour capable touye Jovenel. Et bien, jounen jodi ya, barye a lib nan men yo, peyi a nan men yo, malgré ça yo pa ka mette l souray, yo pa ka fe anye ensemble ak li. On continue mon frère. Nous avons une pression aujourd'hui, ce n'est pas une pression, c'est clair que non, c'est une enquête qui mourit. Même là, tu as un juge, pas de juge, enquête qui mourit. Il n'y a pas même envie tant de monde qui est en prison encore, on dirait qu'il y a une peur de l'enquête. Mais vous savez que aux États-Unis. Et là, c'est aux États-Unis là, Non, en Haïti. Oui, non, en Haïti. Non, moi, je ne parle pas pour Haïti. Maintenant, le gouvernement haïtien, l'État haïtien, c'est un intérêt. Dans ce qu'a fait aux États-Unis. Il y a un citoyen à Angel Brittel, et Antonio Entriago, des gens aux États-Unis qui étaient dans le film, qui étaient propriétaires de film, qui étaient contractés pour venir et pour aller chercher bandits, venir assassiner Jovenel Moïse. Mais le gouvernement haïtien, tu dois chercher comme côté de déposer plainte contre eux. C'est lui-même qui peut faire le pas, moi, pour le faire pour lui. Mais je dis à la, ou après tout ça qu'il a fait aux États-Unis, d'autant plus que Angel Brittel, travaille pour DIA, il travaille pour CIA, il travaille pour FBI. Donc, si le gouvernement haïtien a effectivement intérêt dans le CISA, piloté par Ariel Henry, il était supposé déjà déposer plainte contre Entriago avec Akanel Pritien. C'est pour montrer effectivement que Ariel Henry a intérêt pour le CISA avancer. Le ministre Justice, les haïtiens, la justice, elle dit que. Bon, yo même yo prêt là pour ça dit n'importe moun yo voyo aller juger aux États-Unis. Est-ce que c'est pas un genre pour dire que rien à craindre? Non. En déclaration sa ministre en dit elle est fait, c'est deux bagages différents. Parce que ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, il est vrai que gagne des auteurs matériels qu'il a qui capable mener nous aux auteurs intellectuels. Mais nous ne devons pas jamais venir auteur intellectuel. Quand de qui est-ce et mais juste ça parle des gens qui sont en prison, des gens qui exécutent. Même on a parlé de cerveau. Et de ça on a parlé là, je veux dire.
moun ki te paye, moun ki te finance, moun ki gen intérêt pour te assassiner Jovenel Moïse, qui prend tout moyen matériel pour ça, qui est sur yo au plus haut niveau de l'État. Est-ce que vous voulez dire voilà, que provocation fait. Vous avez posé question. Oui. Est-ce que vous voulez dire que Ariel Henry a mené à le jeune cerveau et assassinat qui et Jovenel Moïse. C'est enquête là pour révéler ça. C'est enquête là pour révéler ça. Qui c'est parce que pas oublier crime non jamais planifié, elle pas planifié sans les plus hautes entités de l'État haïtien. La police et primature et baron intérieur, ministère de la justice. Et l'un des plus grandes sphères de la société civile encore, les banques, etc. Donc, Ariel Henry, je vous dis, c'est ça, blâme, c'est boss là, c'est les mêmes qui ont clé, et l'État pays, même nous parlons de la favelle, de la dirigeant, mais il peut bien profiter, ou il doit protéger des intérêts, parce que ça qui est clair, une volonté évidente pour défendre les auteurs intellectuels de cette infraction. Mais, pas oublier, ça qui, il m'a dit, il est maîtresse pour nous. Toute piste doit sous table là, parce que tellement de raisons, mais tellement de gens qui étaient capables d'intérêt pour assassiner Jovenel Moïse. Donc, nous n'avons pas de fixation dans notre cas. Et ce monde dit une fixation. Pour ça, Badjo n'a pas été relé avant, après, pendant le crime. Pour ça, pas été relé. Les amis. Même pour miracle, moi, on ne sait pas qu'on est. Ou même tout, on ne sait pas qu'on est. C'est grave. Ayel, c'est bouclier, il vient faire. Bagay la simple d'évangile. C'est bouclier, PM vient faire dans dossier. Bagay yo simple. Parce que tout autant d'el dou comme ça, libre pour le bail moun yo te arrêté. Oui! Oui, libre pour le bail yo, mais vrai criminel yo. Vrai moun qui te monte plan, vrai moun qui te paye pour tout yé. Yo dedans yo caché. Et frère, c'est ce bien-aimé, rappelez-nous. Claude Bedford, ancien commissaire gouvernement, te kapè nan figi premier ministre, elle te dit ça. Elle te dit ça, c'est à peine li te sorti dans interview dans Scoop FM. Donc, elle commissaire a fait déclaration ça, Ariel Tremblay. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on va pas arrêter yon premier ministre? Il dit, non, on va pas arrêter yon premier ministre. M'a arrêté yon moun qui participe dans touye yon président. Donc, li prè pou le bail. Ça qui nan prison, yo frères et sœurs bien-aimés. Ou pas toujours tendez ces mêmes chantages là. Pour qui ça jusqu'à présent nous pas ka joine moun qui te fait transfert l'argent. Gè gwo l'argent k'ap sorti nan pays d'Haïti, aller à l'étranger, se monter descend. Pour qui ça nous pas ka joine banque qui te fait transfert. Pour qui ça nous pas joine moun transfert te fait sous nom là. Donc, détail ça yo. C'est gouvernement haïtien qui t'a supposé gérer actuellement. Mais l'or yo laissé aller. Donc ça pas garder d'où yo prêt pour yo bay une façon pour yo capable libérer tête yo. Menti, vrai criminel yo campé des dos et puis dit ah m'a bay ti ça yo, ay ça pas qu'on a rien dans bagaille là. C'est pour montrer ou dans qui niveau et bien même gouvernement actuel là, li participer dans tout yé président. Yon bagaille qui si simple, on continue très cher. Et s'il veut comporter un citoyen responsable, il faut le mettre à la disposition de la justice. Il faut le prêter pour nous tendre, pour éclaircir ça, pour nous connaître. Et s'il le faut même pour nous chercher, on a un psychologue, un spécialiste, pour qu'on ait qui j'en fait savoir, il a rebloqué 6-7 juillet, mais il a ouvert le 5, il a ouvert tout après. Il n'a pas songé ce qui est passé 6-7 juillet. Ceci est extrêmement grave. Et peut-être que c'est ça, il a hypernésie. Et c'est un stade vers ça, et comment Alzheimer, etc. Bref. On va parler de neurologue, là, attention. Comment? Mais ça va. Peut-être c'est parce que tellement qu'on fonctionnement du cerveau humain, il pense qu'il est capable. Je mets ça, c'est une question judiciaire, il n'est pas normal. Pour songer le 5 ou de pas là-bas, je ne pas songer le 6 à 7 là, je ne pas tromper. Maintenant, il y a des experts qui sont bien placés qui ont expliqué ça. Vous connaissez le juge Bellabla? Il y a le premier ministre. Et puis, c'est une conversation d'amis, au fait. Bah, dit ça. Mais, je l'ai dit à elle, après, il fait rentrer la caille. Nous pas dit. Ça, non. Ça encore, mon après la mort. Non, moi-même, pas un problème. Parce que je dis tellement. Moi-même, je toujours crois que la liberté est la règle, la prison, c'est l'exception. Je pas demandé pour arrêter ou pas arrêter, mais je voulais éclaircir un point noir. D'ailleurs,
pour le ministère avec primature a mal géré ça en pile. Non, dis d'abord tu pas là-bas du tu dois azan mon monde. Ou quand monde c'est pas ça problème là. Mais à baïman tu dis que pas son côté tellement pour se voir appel jour sans pas son monde qui était l'autre fois pour ça ou relier et gien côté gien appel manque gien côté qu'on encaisser appel parce que le problème qui se pose c'est que si n'a relevé téléphonique yo ou capable ou monter le monde tellement on pas rien le contenu de la conversation. Or tout le débat se situe au niveau du contenu de la conversation. Qui ça Ariel t'a dit avec Badjo? Et ça que fait, c'est de parole Badjo avec parole Ariel. Et c'est ça que fait tout. Il faut qu'Ariel prie mon Dieu pour Badjo était vivant. Parce que un jour ou l'autre, bagay ça a explosé. Parti ça confuse moi net. Li pa ka songe. C'est à la grande mon audace, monsieur. Qui est triste ou l'on a fait ensemble avec autorité qui est audacieux. Ou comme ça, moi, dans le pays d'Haïti, eh bien, dirigeant pas jamais coupable. Les filles font bêtises là. Ou kembe yon dirigeant garde nos cap fait crée. Bah, elle a nan de gwenni. Li wap vini la fin le 6 normalement, oui. L'on dit, oh, chef la sop fait là. Non, c'est pour le pays. Si m'pas fait le pays a crasé. La coupe nan figou li dit lui. Li fin font bêtises, la coupe la douce machination. La coupe la douce persécution. Ou pas se persécuter ou persécuter, yo toujours a persécuter. Yo toujours a bay menti sou yo. Yo toujours a monter complot contre yo. Et puis yo toujours la bien vivant parmi moi yo. Yo pas jamais songe non, c'est machination, persécution. Toujours comme ça. Yo pas jamais prendre responsabilité. Yo a tout yé président. La traka papa. Cher ma tout est gon dernier mot. On finit non. Gen des moun yo te rivé arrêté immédiatement après infraction dans dossier journal. Et ça fait dossier ça, on va parler de lui toujours. Si tout Colombien était allé. Si pas de mobilisation mon au pétion vous permettre pour Colombien des policiers que nous doué féliciter qui était seul monde qui t'a défendu le pays à l'heure ça. Tout n'a pas été allé. Même pas de côté de la tout le monde qui est là, 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 qui est il te dit si elle ça. Bref. Il dit il est coupable et si on même. Eh bien, il prend pour voir comment il y aller. Il ne peut pas dire. Comme s'il ne peut pas parler. Mais qui doit Ariel Henry? Qui doit Ariel Henry? Pour qu'il y ait un monde qui l'a juste à juger pour la opinion qui est pour voir le monde aller pour ne pas voir le monde aller. Yes! Bagaille la simple. Simple comme bonjour. Parce qu'elle y connaît. Les connaît vrai coupable comme on fait dit eh bien yo c'est des innocents. Souka dit yo c'est des innocents c'est parce que ou connaît vrai coupable. Donc gagne déclaration qu'a fait frères et sœurs bien-aimés. Faut mettre tête nous sous épaule nous pour nous voir qui côté assassin yo yé. Et nos position le placer à vrai. Li là pour garder nous pour détourner toute bagaille pour bloquer nos position qu'elle vient là et capable chaque côté le met ton monde eh bien c'est j'en étais capable dit c'est on garde li mette campé dans chaque ministère yon façon pour moun pa arrive sou li. Eh bien li même la fait bouclier pour criminel qui dedans lui et puis il met un paquet petit joueur devant pour assurer eh bien sécurité pour assurer ville devant alors ta ka pou la avec haïti papa donc frères et sœurs bien-aimés dirigeant dans pays d'Haïti forme di ou yo tellement audacieux, yo tellement coquin. L'entendé arrivé dans l'autre pays, yo parlé, wa konn se moun sérieux. Yo des discours a prononcé, wa konn se moun sérieux. Pi tout pi gros assassin, pi mal passé bandi wa ki kebe zam en ba, c'est yo même. Insolite nous pour journée jodi a, frère ça bien-aimé, moi même kal sauter sous voisin Job, hein, kap raser en babral pour première fois ensemble avec yon tondeuse. C'est moi-même qui ai dit ou pas quoi. Mais on regarde comment, sensation. Comment bah yo t'es belle, non mais. Et voisin, Job, on suit ensemble.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, voisin. Jette, mais que voisin content. Bah, il a bon, frère, c'est ça. Il a bon. Chaï saute sous tête, lui tombe sous épaule. Mon cher, j'en déclaration sa fête là, semblait ancienne première dame, Michel Bennet Duvalier, tap ve Aristide longtemps, li te soif, li te koute sèche ki besoin la pli. Nan yon tweet li déclaré, Haïti chéri, les femmes Aristide se réveillent de son coma comme un épouvantail pour se réjouir de l'assassinat de Jovenel Moïse. Jamais de ma vie, j'aurais entendu un prêtre, même défoqué, se réjouir de la mort de quelqu'un. Ce répugnant méritait un vaccin pour son âme de pourri. Oh! Hey! Son âme est pourrie là. Son âme. Un vaccin. Mais le président Jovenel Moïse l'a envoyé déjà à Cuba pour prendre son vaccin là. Il n'a pas besoin de l'autre. Jesus Christ, c'est pas bien la compliqué. Daniel Foot parle. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'boko chom saisi comme ça. Pas bien la compliqué. Adjela Misao, m'boko chom ou dirigeant sans honte parce que dirigeant dans le pays d'Haïti. Hier dimanche là, qui était 13 mars là, diplomate américain Brian Nicole, qui est actuel secrétaire adjoint dans affaires hémisphère département d'État américain, révélé qu'il était rencontré ensemble avec Premier ministre Ariel Henry dans le cadre de la cérémonie investiture nouveau président chilien Gabriel Boric. Eh bien, pendant l'entretien, il était gagné ensemble avec Doc Ariel. Ils ont discuté sous divers points, sous sécurité et stabilité économique dans le pays d'Haïti. Des officiels saillants ont également abordé solide soutien, oh my gosh, gouvernement haïtien avec Ukraine qui en guerre depuis 24 février. Et nous savons qu'on y a là soutien Haïti pour la Ukraine. À la caca, monsieur Nobé. Vous tendez, oui. Attends, Brian Nicole, je t'ai bien sérieux. La pala Ariel sous soute. Hey, l'éternel, oi! Haïti va le soutenir. Ukraine. À la traque, monsieur. Nous mêlons. Donc, les États-Unis d'Amérique, lui-même, les très fiers. Bon côté Haïti, qui compte ça, la Russie fait déclaration. Diplomate Brian Nicole. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, sauf volet caprété. Yes, c'est sauf volet caprété. Comme nous connaissons, eh bien, président dominicain t'est déplacé tout le temps participer dans la cérémonie investiture président Gabriel Boric. Après président t'est fin participer, eh bien, li retourne nan pays. Hier samedi, li débarqué nan Santo Domingo qui c'est capitale République Dominicaine. Après li te fin achevé yon travail ensemble avec Argentine et puis Chili. Li te gen divers signati d'accord coopération. Nous a continué renforcer lien entre République Dominicaine ak Argentine. Des pays sa yo siye accord pour yon coopération dans domaine santé, agriculture et développement hydrocarbure. Tandis que Premier ministre Ariel Henry même rivé l'autre bois, l'ital plein yon problème ni de crise Haïti qui mondial. L'ital plein yon problème ni, l'ital fait recensement. Eh bien, li fait connait que Chinois yon fin grand moun, son peuple qui fin grand moun, donc. Yon pral mourir dans 10-15 ans. C'est nous les Haïtiens qui pral remplacer yon. C'est nous qui pral responsable l'économie. C'est nous même qui pral faire politique. Ça veut dire nous mettre continuer à le Chili, pas gagner l'espoir, pas Borisite. Tandis que l'autre président lui-même, qui s'est passé, lui vini le déclarer, nous a continué à renforcer les liens entre République Dominicaine et Argentine. Des pays ça yon signé accord pour yon coopération.
opération dans le domaine santé, agriculture, développement, hydrocarbures. Tandis que Ariel lui-même, c'est recensement le tal fait. C'est plein le tal plein. C'est ramassé le tal ramassé. Rentre à Kaboul avec Haïti, papa. C'est que des dirigeants ont gagné, franchement, frère, c'est ça. Si y aurait le chien, on mettrait pour nous, crise boulette, moi. Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Yes! Haïti, son petit pays qui est très spécial. Est-ce qu'on songe un moment ça, frère, c'est ça? Oh my gosh! Ça, quand ça criminel yo fait Haïti, oui monsieur. Là aller en province et pour casson bâton can. Wap manger can, wap manger pot, wap soucé, jikan n'ap coulé sou. On suivre ti vidéo ça ensemble. Aïe aïe aïe, à la bagaille bon, c'est produit local. Non. Li très très bon frère ça. Ou alors non kan comme ça. Adé non. Machon se même sou manje 5 bâtons, ou pa senti machoué ou fatigué. C'est l'on fin manje tout et puis là ou pral manje un petit bagay ki fe, ou ap pwè comment machoué a delorium nan men ou. Et ou kon sak bel nan kan nan encore, gon kan ki rele kan blanc. Des fois pour le pas qu'on veut chirer les wap calon nettoie net tout calon sel coup les comme ça wap essayer casser ou pas casser les pile vin tordé qu'on y a so fait ou kembe de prendre kanan et pour virer et pour mettre bouche ou c'est jikan n'a tombé et puis feeling qui gagne frère c'est ça bien aimé pendant jikan n'a tombé et puis j'y a fait des bon mon conseil pour passer prendre des fois kanan kon tellement bon. Même dernier ti matize tok racine non kon souci tellement kan nan douce tellement kan nan bon kan nan naturel kade nou kan nan go puissance ladan lo fin manje kan nan et pou kan po sou ke ventou vent lan fait kolok kolok tellement gen de l'eau ladan mes amis ensemble avec bon ti bagay naturel ça est-ce qu'on kan nan fait prostate. Est-ce qu'on kan en fait pied nan rien mes amis? Mais criminel yo, yo créé gang à gauche, yo créé gang à droite, yo créé gang devant, yo créé gang derrière. Moun ki yo diaspora mes amis, yo pa ka tourner pour venir manger bon petit kan anana, bon petit kan blanc dans pays ça. Hache la vie ça, c'est belle feeling. Là manger kan ça. Des fois même ma ou sans trop partager té. Tellement ba la douce. Ou quoi gen bagay ki douce parce que kan frère c'est. Non, expliquez-moi. Ou quoi gen bagay ki bon, le wap chike kan kon sa? Mou senti mta ralon kan, ta manje kat neon sel kou sa. Mte fliche l manje pou manje ne manje, tout net mba ki tan ye. Est-ce que gon bagay ki pi douce passe kan? Si gon bagay ki pi douce, wap expliquez-moi. Kon sa mal cherche fon ti expérience tout, on ne sait jamais. Et j'aime toujours aimer dire, Haïti dictature, c'est l'appel des Antilles, Haïti démocratie, c'est la république des coquins, qui vivra, verra, mais qui mourra, kakara. N'a fait pas sa voix de l'Amérique, pour ces formations nationales et internationales, yo, rendez-vous cassé dans un titan, qui pas trop long. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizère, depuis Studio 18, la voix de l'Amérique, dans Washington. C'est un plaisir, yo, l'autre fois encore pour nous. Malgré nous, il y a des problèmes techniques qui empêchaient que show apparaître. Nous t'ai préparé là. Nous content d'être que quand même au branché selon coutume selon habitude nous et ça fait nous plaisir. Première édition nous c'est première édition nous pour ce maintenant et jeudi c'est 14 mars 2022 nous toujours qu'on est même plaisir même contentement pour nous rejoindre nous et nous content d'être que ou même tout ou été fidèle non seulement à programme radio mais avec programme télévision. Et nous connaissons que jeudi, c'est lundi, nous avons gagné 3e mi-temps. Nous avons gagné le vendredi, mais le lundi, nous avons 5h30 tapant. Et puis, grand point cap dominé actualité, c'est définitivement l'invasion pays la Russie en Ukraine. Nous pratiquement arrivé dans 19e journée. Et jeudi, négociateur ukrainien avec négociateur russe, yo même yo rentré dans jeudi, il y a réussi 4e négociation. Mais réussi à, ça veut dire, c'est pas gain réussite vraiment, non, mais yo fait quand même, yo réussi, chita ensemble, mais pas gagné qui sorti en termes de ça, yo ta remet
que ça fait. Et nous allons rejoindre Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis qui trouve dans New York. Et lui-même qui a dit nous ça qui a passé dans New York. Et réaction qui a sorti sous guerre. Des fois, le Conseil de sécurité a réuni pour être capable de dire yo même qui gens, yo même il y a pour la guerre. Qui décision que a prend, bien qu'en pile fois, décision ou pas, des décisions contraignantes, ça veut dire qu'il y a un suivi, mais décision a toujours une valeur. On a rejoint Valério Saint-Louis depuis New York. Dans la journée aujourd'hui, lundi 14 mars, dans les Nations Unies, devant la presse, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a pris la parole et lui a dit Ukraine is on fire. Pays Ukraine en bas du feu. Pays a pas fini devant yeux le monde. L'impact de ça sous civilio prend une dimension terrible. Une quantité de monde innocent, femmes, coutumes, a perdu la vie. Après que force l'armée de la Russie a été frappée fort, en pile route, infrastructure, aéroport, l'école transformée en ruines. Une quantité de monde dans le moment pas de courant à de l'eau potable pour servir. Dans la minute ça qui a passé là, deux gros bagailles à privé. Premier bagaille là, situation continue vint pis mal. Second, whatever the outcome, this war. Deuxième bagarre là, quel que soit, Jean ça fini. Guerre ça, pas bien personne qui a gagné. Seulement perdant qui a sauté la donne. Nations Unies avec partenaires humanitaires a travaillé pour joindre passage dans la zone guerre ça, pour arriver porter aide côté qui gagne sécurité. Plus passer 600 000 personnes qui ont à recevoir aide d'une façon ou l'autre. Plusieurs millions de personnes dans le pays Ukraine a fait face à grand goût sans qu'ils n'aient pas joint médicaments à l'eau potable pour servir. M'a pas annoncé aujourd'hui que Nations Unies a mis disponible 40 millions de dollars américains pour porter assistance rapide à monde qui vulnérable dans le pays Ukraine et n'attendent plus de donations toujours. Le secrétaire général des Nations Unies a continué à parler pour le faire connaître qu'il y a plus passé 1,9 million de monde qui déplacés dans le pays Ukraine, des réfugiés, et il fait connaître tout que les Nations Unies très reconnaissant envers plusieurs pays qui ont même recevé les réfugiés. Plus passé 2,8 millions de monde réfugiés aujourd'hui là dans la zone Gessa. Il a poursuivi pour le faire connaître que c'est femmes et les qui sont plus victimes dans la guerre. Il parlait tout de l'impact économique que la guerre a gagné sur l'autre pays dans la zone. Le prix produit première nécessité a augmenté à travers le monde. Le secrétaire général des Nations Unies a fini la déclaration à l'île, il a répondu à une question à quelques journalistes qui étaient présents. Et dans le moment que nous avons parlé à la, le Conseil de sécurité des Nations Unies en pleine session et en pleine réunion, nous avons suivi de très près qui vient de passer depuis New York. La Voix de l'Amérique a été informée qui vient de passer dans les Nations Unies. Valério Saint-Louis, depuis New York, pour la Voix d'Amérique. Merci Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis a kembe nous informé sur ce qui a passé dans New York, plus précisément dans le quartier général, dans le siège Nations Unies. T'as qu'on te dit que négociation faite jodia et t'as semblé que c'est un autre échec encore pour ces négociations qui a fait sous question Ukraine, sous question de couloir humanitaire, question couloir pour évacuation et puis et ça Ukraine a demandé c'est un cessation toute attaque que la Russie a fait. Jean-Robert Philippe, ou même cap suivre de très près, est-ce que nous avons dit en essayant l'autre échec encore dans la négociation ça? Nous avons dit non, mais les négociateurs, les gens ont dit qu'ils font pause pour raison technique. Je vais expliquer ça, ça veut dire, mais ils dit pour raison technique, ils font pause. Et après, commencer encore demain. Alors, ça qui est seulement réglé, c'est que au moins, je nous entends pour créer un autre couloir humanitaire pour évacuer plus de 150 personnes dans la ville. Et Mariupol, nous rappelons Mariupol qui est en bas d'attaque, qui est en bas siège, soldats russes. Donc, rencontre demain, après, fait d'abord la veille et le président ukrainien prend la parole devant même congrès américain et réuni. Donc c'est comme ça et situation à présenter aujourd'hui. On a pas tant pour nous encore demain, ça qui a passé. Mais au moins, j'ai envie de dire là, c'est position technique d'après porte-parole, même porte-parole président Slan et Mikhailo Podolyak, qui c'est porte-parole président Slan, d'après l'annonce qu'il fait après un compte là. Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak déclaré délégation ukrainienne mandé la paix immédiate, un cessez-le-feu, retrait soldats russes avant pour être capable de parler sous relation voisinage avec une entente politique.
Négociation qui déroulait par vidéoconférence, 24 heures après soldats russes larguent un missile croisière sur une base militaire tout près frontière pays à partager avec la Pologne. Pays occidental utilise base militaire ça pour entraîner soldats ukrainiens. Une délégation 4 sénateurs américains visite frontière la Pologne là qui recevra plus passé 1 700 000 réfugiés ukrainiens. Délégation, Geladan, sénateur républicain Roger Wicker, Bob Portman, avec deux démocrates, Richard Blumenthal, avec Amy Klobuchar. The courage of the Ukrainian people is just endless. What they have been through. We met refugees who husbands left behind. Sénatrice Amy Klobuchar, qui a parlé après les films visités frontières, chanté louange pour courage peuple ukrainien pour ça y en dire. Nous rencontrons réfugiés qui quittaient Mario derrière, qui perdit caillou possédé, sans oublier petit yo, l'hôpital yo qui bombardé, sans oublier la pérèse qui a crié. Ça qui est important pour nous, c'est engagement yo prend pour démocratie et pour aider au campé ferme devant Vladimir Poutine. It's just help us to be able to defend our skies. And so one of the things that we are pushing hard on, and I've had a chance already to talk to the administration while I'm over here, is to say we need to do everything that's feasible. Au départ, c'est un républicain, Bob Portman, déclaré ça qui a passé en Ukraine, c'est un bagage qui rache que nous. Nous devons faire tout ce qu'on est capable pour permettre aux Ukrainiens de jouer un moyen pour défendre tête contre bombardement aérien russe. Moi, pensais qu'il y a plus de bagages que nous capables de faire pour nous bailler Ukraine moyen nécessaire pour défendre tête li. That pressure is beginning to have some effect. We are seeing some signs of a willingness to have real serious negotiations, but I have to say, as your reporter said, so far, it appears that Vladimir Putin is intent on destroying the Ukraine. We need to keep Ukraine in the way we can. The pression sur President Vladimir Putin pour d'accord sur cessez le feu. Pression a commencé, bah résultat, nous avons quelques signes qui montraient une volonté pour une négociation réelle. Mais, bam, dis-nous, il semblait que président Poutine ait une intention de détruire l'Ukraine. Nous avons besoin d'assister l'Ukraine, quel que soit moyen. Pendant ce temps, dans la ville de l'Italie, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, l'autre membre du Conseil de sécurité nationale, le département d'État a rencontré le directeur affaires étrangères chinois, Yang Jiechi, après une nouvelle rapportée, Moscou a cherché à sciences militaires et économiques dans main la Chine pour guerre en Ukraine. La Maison-Blanche a annoncé l'y avertir la Chine sous conséquence grâce à capable de gagner s'il essaie d'aider la Russie passer à côté sanctions. Jean-Aubert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, situation a toujours été compliquée en Ukraine et il y a plusieurs réactions qui ont sorti à travers le monde. Pendant ce temps, il y a chaque dimanche et plusieurs douzaines de chrétiens russes et ukrainiens qui réunissent ensemble dans la première église baptiste russe dans une petite ville dans Virginie qui est Mount Crawford pour y adorer bon Dieu. La Voix de l'Amérique a visité l'église. Il y a un reportage avec Jean-Lionel Demarat. Son distance plusieurs milliers de kilomètres, à la région côté la Russie a commencé l'invasion de l'Ukraine, Ukraine, nous joignons l'église qui était bâtie il y a 25 ans, dans une rurale État Virginie aux États-Unis, côté chrétien russe et chrétien ukrainien rassemblés chaque dimanche pour y prier, pour y adorer bon Dieu. Nous venons là pour nous adorer bon Dieu. Le conflit qui a développé dans l'Ukraine fait nous mal en pile. Nous toujours considérer que nous sommes frais accès. Ce qui a passé actuellement dans l'Ukraine, entre la Russie avec l'Ukraine, franchement, ça va nous en pile la peine. Fidèle qui réunit ici, là, dans la première église baptiste russe, là, dans Mount Crawford, dans l'État Virginie, a prié pour une solution pacifique dans le conflit. Il a fait connaître la majorité de population de pays pas d'accord avec la guerre. Pas tellement de monde qui vraiment voulait la guerre. Je suis capable de dire que la majorité de monde n'est pas d'accord avec elle. Qui donc, moi, pas quoi la guerre, ça, c'est un bagage non besoin. Je pense qu'il y a un pile moins différent capable de résoudre le problème qui posait entre nous. Mais parce que il y a des gens qui voulaient la guerre et des gens qui ont le pouvoir, c'était inévitable. Fidèle lui insistait sur la nécessité pour deux parties attacher plus d'importance sur le principe partagé avec l'héritage commun. La guerre a commis plus de dégâts pour les gens qui gagnent un même héritage familial avec l'ennemi. Ma maman, c'est une citoyenne russe. Moi, j'ai pris naissance dans l'Ukraine et puis marié avec une fille qui était faite dans la Biélorussie.
qui fait pour moi-même personnellement, moi c'est une combinaison tous les trois pays ça. Alors, moi pas capable de tête moi cap goumé avec russe ni russe cap goumé avec ukrainien. Jean Poutine fait deux peuples a fait ça là. Ça qui doit faire là d'après moi-même qui sont croyants, nous devons rester campé ferme sous position nous qui c'est aider si là yo qui en besoin et puis créer un environnement pacifique. Depuis la Russie a envahi l'Ukraine, dans la date 24 février passé, nouvelle rapporté plus passé 2 millions et demi moun couru à prendre refuge dans pays européen voisin yo, tandis que plusieurs milliers d'autres perdu la vie sous territoire ukrainien. Pour Yaya Barzinji, moi c'est Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat. Donc ça c'était dans Virginie. Nous connaissons que yon nan pays qui pote kole nan accueillir et réfugiés, yo parle de Pologne, yo parle de Roumanie. Donc nous parlons dans Roumanie, plus précisément dans Bucarest qui c'est pour dire que Roumanie c'est un pays dans l'OTAN. Gen journaliste Erlich Dorelas qui pourra faire considération pour nous concernant pays Roumanie. La guerre que pays la Russie déclenché contre pays Ukraine, non, la guerre en crise humanitaire. Dans le pays, ça, plusieurs millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine pour prendre direction divers pays dans l'Europe. Le service créole La Voix de l'Amérique, là, est arrivé à parler avec Magdalena Tatulescu, une haïtienne qui vit dans le pays Roumanie, principalement dans la capitale, là, Bucarest. Il était dit de comment la situation des immigrants ukrainiens présentée aujourd'hui dans le pays Roumanie. Sous frontière, là, c'est même Roumain ou même, c'est pas pour dire l'État, non. Mon volontaire qui allait, qui accueille avec des tentes, yo bayo rete la kayo, gen hôtel qui mette à la disposition, gen restaurant qui mette à la disposition yo. Roumanie, yon pays qui accueille réfugiés ukrainiens yo. L'État pays Roumanie bay l'agent ak moun qui accepte recevoir yon émigrant ukrainien la kayo. D'après Magdali Tatulescu, qui vit dans pays Roumanie, t'es dit avec La Voix de l'Amérique. L'État bay chaque monde qui accueille un réfugié la kayo, yon subvention de à peu près 20 lei par jour, 20 lei qui veut dire près de 4 à 5 dollars par jour pour chaque grand réfugié. La Roumanie, c'est un pays situé en Europe de l'Est. C'est un membre de l'OTAN, organisation traité Atlantique Nord. Malgré son membre de l'OTAN, plusieurs Roumains patarémen, pays Roumanie, impliqués dans le conflit. Ça. C'est une inquiétude qui la cache chaque monde. Bien que on a toujours dit, mais non, parce que nous connaissons, nous protéger le fait que nous faisons partie de l'OTAN, comme on connaît. Pour chaque pays qui fait partie de l'OTAN, si tu as touché, c'est un coup, c'est tout l'OTAN touché. Mais ceci n'empêche cela, nous avons toujours une crainte. Roumanie, c'est un pays qui consomme en pile d'huile et blé qui sorti dans le pays Ukraine et le pays la Russie. Plusieurs Romains profitent d'acheter en pile d'huile si au cas la situation a dégénéré sur le continent européen. Regardez, côté l'huile, l'huile, c'est un bagage qui vient très rare en Roumanie. Nous avons acheté l'huile par caisse parce que la Russie et l'Ukraine, c'est deux pays qui fournissent l'huile en pile bon, ici. Et à cause de ça, tout le monde a pourri ramasser l'huile, pas caisse. Donc ça veut dire qu'il y a une inquiétude quand même. Magdalena Tatulescu allait plus loin pour le dire avec La Voix de l'Amérique. Concernant la communauté haïtienne, non, il a dit oui et non, il y a une communauté haïtienne, même les culpables Jean-Mouel, en pays Roumanie. Si il y a une communauté haïtienne en Roumanie qui attendait, m'a souhaité nous contacter parce que pendant tout le temps ça, mais c'est ouais, si m'a j'ai une communauté haïtienne, il est vrai que m'a rencontré des haïtiens qui étaient de passage, mais bah j'ai rencontré vraiment une grande communauté haïtienne. Pour l'instant, pas de ni oui ni non, mais pas à ma connaissance. La guerre qui éclatait un pays la Russie et pays l'Ukraine poussé en pile ukrainien à quitter la caillou à aller plus loin. Autorité pays Roumanie comme mesure disponible pour créer un espace pour tout Ukrainien qui était machinio sous frontière là. Étant donné que la Moldavie ferme espace aérien, puis faut mon yo traverser Moldavie, yo vin Roumanie, dans une ville qui relie Iași qui un aéroport. De là, yo juste pour avion aller plus loin ou quitter machinio. Et l'État prend disposition pour créer un espace spécial pour mettre machine ça et battre entrer en contact avec chaque grand propriétaire machine pour connaître qui décision si a retourner pour venir chercher ou bien si a pas besoin encore si a retourner il a fait il a quitté un espace ça après tout bagage fini pour qu'a récupérer machine. Erlich Dorelas, Boston, Massachusetts, pour La Voix de l'Amérique. Merci Dorelas. Donc Magali Tatulescu les mêmes qui vivent dans Bucarest, dans le pays Roumanie, la chercher haïtien qui est dans Roumanie. Toujours sur le même dossier, le président colombien
Ivan Duque qui était dans Washington, et ben il condamné Venezuela avec tout président Nicolas Maduro pour support pour te bailler la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Président Duque te parlé avec la Voix de l'Amérique. Sandra Lemaire. Dans une interview exclusive avec le service espagnol Voix de l'Amérique, président colombien Ivan Duque critiquait les deux pays voisins, Venezuela, pour position qu'il prend sous crise Ukraine. Nicolas Maduro le a hecho a su pueblo. Il dit Nicolas Maduro fait peuple même bagaille Vladimir Poutine fait peuple ukrainien. Il cause pigou crise migratoire Venezuela constatée depuis quelques années. Même gens ukrainiens qui misérables courent parti et puis créent une crise migratoire en Europe. Donc, réunion entre Venezuela et la Russie, c'est confirmation, M. Campé, sous mauvais côté l'histoire. Président Ivan Duque dit position li vis-à-vis régime seul coq chanté Venezuela pas changé. Entonces aquí no hay ningún cambio. Li dit bon côté pas nous pas gain aucun changement sous position nous. États-Unis à Colombie nous relé Nicolas Maduro un dictateur. Colombie même genre qu'États-Unis agit même genre en coordination pour cibler criminels qui travaillent pour Nicolas Maduro et puis encourager une véritable transition démocratique dans Venezuela. Président Duque dit VOA, pays le plus bien placé passé Venezuela pour aider les États-Unis à gérer une crise énergétique. Je le dis, Venezuela n'est pas aujourd'hui en capacité. Il dit Venezuela pas en mesure pour produire plus passer 700 000 barils de pétrole par jour. En plus, pétrole cru lui a demandé un pile raffinement. Venezuela te kon produit plus passer 3 millions barils par jour, mais il détruit capacité ça. Colombie lui-même produit 400 000 barils de pétrole par jour, et ça pas longtemps nous a produit presque 1 million. Nous travaillons avec les États-Unis sous inversion et stratégique pour avancer production hein, pendant la semaine qui vient. À part ça, nous gagnons pétrole nous dans Texas et nous avons accéléré la quantité de barils que nous produisons chaque jour pour arriver dans 100 000. Et puis, dans le moment où le monde a diminué la dépendance sous charbon, nous avons acheté 50 % de charbon nous, dans les États-Unis. Conclusion, Colombie aujourd'hui c'est un pays qui gagne plus sécurité, a plus bagaille qu'a offri États-Unis en termes de solutions pour crise énergétique dans contexte ça. Président colombien Ivan Duque t'est parlé avec VOA pendant une visite à Washington côté il était rencontré président Biden avec membre Congrès américain. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC, ou suivre un programme en langue créole haïtienne, pas bien 5h30. C'est l'heure pour nous suivre troisième mi-temps, yon programme que nous remets en pile, d'après toute réaction que nous jouons. Mais en attendant, m'a dit, mettez ma sou, m'a mettez pam, comme ça, m'a protégé. Oui, mettez quoi, veillez quoi, attention, pas capon, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, ou suivre yon programme en langue créole haïtienne, qui c'est rendez-vous info, c'est premier sorti nous, pour ce maintenant. Actualité dans le pays d'Haïti, premier ministre Ariel Henry retourne en Haïti après les fins passées. 4 jours dans le pays Chili, côté l'État assisté notamment à la prestation de serment nouveau président chilien, Gabriel Boric, chef gouvernement haïtien, rencontré chef délégation plusieurs pays qui promettent pour aider les nations Caraïbes dans le combat insécurité et l'État abordé plusieurs autres questions. Il a rencontré tout avec la communauté haïtienne dans le Chili, nous connaissons un paquet haïtiens qui vivent au Chili. John Caniglia a banou détail sur un compte ça que Premier ministre Ariel Henry te gagne avec la communauté haïtienne. Dans samedi 12 mars 2022, il y a une rencontre qui était faite entre Premier ministre haïtien Ariel Henry avec quelques membres de la communauté haïtienne en Chili. Côté lui-même, il a répondu quelques questions que membres de la communauté a gagné comme préoccupation. En ce qui concerne les documents, il y a plusieurs autres problèmes de documents. Et c'est vrai que nous parlions de casier judiciaire. Nous parlons de passeport, nous parlons de carte pour dire que nous sommes ici au Chili. Mais pour carte, on y a, nous dit que nous avons fait sous carte des malogues. Là. Nous avons bien pensé que la commencé ce mois-ci, audit là. Donc, d'ici mai-juin, il faut nous arriver ici dans Chili, juin. Cap des Maroclans pour qui va gagner. Pour l'autre document, acte de naissance, extrait d'archives,
c'est peut-être en pile travail lié. Nous gardons depuis qu'on y a Archives nationales à jeune Oni pour que les mêmes trouvent que le cas bénéficie de. Ministre Affaires étrangères à tous les mêmes qui pas très indifférents, te prend la parole pour le féliciter communauté haïtienne dans le Chili et pour le travail à fait. Féliciter communauté haïtienne pour l'effort qu'elle a fait pour l'organiser et intégrer de façon positive dans le pays d'accueil qui est le Chili. Il est important que nous continuions à vivre tant qu'on famille sur notre pays d'accueil là, dans le respect et la solidarité. C'est ça qui a fait nous plus fort et c'est ça qui a imposé respect pour côté pas. Quelques réactions dans ma communauté a pas de printemps pour t'arriver. Une question qui était dans l'air. Et malgré le Premier ministre pour un thème assassinat Jovenel Moïse, mais nous étions comme masse peuple pas satisfait avec le résultat que ça les a. Et nous souhaitons que pour une rectification qui fait dans donner dans sa communauté haïtienne dans le besoin de pays Chili, parce que ce qui passe aujourd'hui, moi je connais que il y a plus que 300 Dominicains que je reconnais personnellement qui viennent avec passeport haïtien. Avec passeport haïtien, ils viennent dans le pays et puis ils ont une bonne vieille messe. Et puis nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne vieille messe. Moi je dis, affaire bonne vieille haïtienne sont folles. Ils font pas vrai. John Caniglia, depuis Santiago du Chili. Pour la voix de la mairie. N'a quitté Chili, nous prenons dans Miami, dans l'État de Floride, côté Family Action Network Movement, manifesté contre l'administration Biden à cause de déportation haïtienne. Il y a un reportage Augustin Gentil Junior. Après 300 haïtiens étaient entrés sous bateau, dimanche 6 mars passé à sous côte Floride, là, garde cap civilier côte là, t'es qu'un bio, déporté 198 là-dedans, yo, vendredi 11 mars. Là. Pour demander aux Américains de suspendre les déportés réfugiés haïtiens, l'organisation FAM a organisé un sit-in devant Border Patrol dans Dania Beach, Florida. Haïtienne, ça, dit que c'est dans l'élection qu'il y a obtenu le président Biden parce qu'il n'a pas respecté la promesse. Haïti, pis mal en bas de Joe Biden. Tout le monde met Joe Biden à le faire dans l'état d'Haïti, mais Haïti, pis mal. Kidnapping, tout le monde passe dans le pays. Un yé, on va faire. Un yé, il y a deux potes haïtiens. Joe Biden déporte plus haïtien que tout l'autre président. N'abtonne Joe Biden dans l'élection. Directrice exécutive FAMNA, Marlène Bastien, t'as expliqué nous pour qui ça y est là. We are here because, as we know, 198 people, those who stayed on the boat, were all deported back to Haiti. When asked if this refugee. Nous là, je dis ya. Parce que nous connaissons 198 Haïtiens qui étaient retenus dans le bateau déporté. Les journalistes demandent explication. US Border répond, réfugiés ont choisi de retourner la caillou. Mais c'est US Border qui t'a voulu ça. Parce que les qui ben yo entré ici, yo ba yo interprète qui parle langue yo pour comprendre processus là. Mais yo pas jamais fait ça pour Haïtiens. To apprise them of their basic rights of the process. If they wanted, they would have found interpreters who speak Creole. Militant Douamounsa, voyez un message pour gouvernement Biden. Biden administration, President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, let's stop the charade. Administration Biden, President Biden, Vice President Kamala Harris, on suspend avec jouet chat avec souris ça. Hypocrisie ça. Fait bagay yo bien. Suspend déportation, suspend akatik kandia, travail avec les peuples haïtiens, aide yo développer, c'est une solution pour deux pays. Sincère ak yo, nous c'est moun, immigration c'est droit tout moun. This is a solution for both our countries. Be fair to Haitians. We are humans. And migration is a human right. Yon haïtien qui te passe même mise ça. A expliquer nous comment il sentit dans moment. As I'm standing right here, I fell. Moi campé là jodi a parce que moi senti douleur moun sa yo. Parce que moi était dans même situation ça fait 40 l'année. Nous voulions changement. Nous fatigué à traitement sa yo. Libérer peuple ça. Quitter yo aller. Traiter yo même gens moun doyé. Nous dit assez. Enough. Is enough. Free the people. Commissionnaire district dit North Lauderdale
Samson Bojelin te parlé ak nou. People are taking a big risk to take Moun yo pran gros ris. Yo pran bateau. Dépenser tout sa yo genye parce que y a cherché liberté. Et liberté son bagay nou pa ka payer pou li. Nou pa encourager yo vini illégal. Mais si yo vini à cause problème nan pays yo, nou dwe camper avec yo. Ba yo opportunité pour jouir rêve américain. Enjoy the American dreams. Non, pa pralé. Non, pa pralé. Si n'allé na retourné. America c'est pour nous tous. Gentil Augustin Junior, Miami pour la voix de l'Amérique. Et puis, quand nous prenons dans le pays d'Haïti, côté Jodia, c'était premier journée, dans trois jours grève, secteur médical là contre kidnapping, Machado Vilme. Plusieurs institutions médicales qui sont dans la région métropolitaine Port-au-Prince, l'ont coupé en bas premier journée, mode de grève, association haïtienne médicale lancée contre insécurité, avec phénomène kidnapping qui n'est pas épanoui. Cependant, quelques citoyens qui étaient venus chercher soins dans la clinique avec l'hôpital nous visiter, saluent le mouvement grève si là. Dès que l'examen pour me venir faire, depuis le matin, je suis venu apparemment. Activité au bloqué parce que moi route là barricadé ensuite l'hôpital là me devine me rendez-vous bon yo fermé apparemment pas une pièce activité. C'est son très belle initiative parce que normalement n'a vive mal la sécurité en vraiment dépassé les bornes et que pas gagne monde qui épargné. Donc parce que son très belle initiative parce que la sécurité a c'est trop pour nous, on ne va pas avancer. Il y a un niveau pour nous, pour tout le monde. Pour les médecins, parce que c'est pour les soins, pour malades, c'est pour les soins. Mais si j'aime pas, ça va passer de eux-mêmes tout. Non, c'est que pas capable de subir des bagailles. Puis je vais accepter avec eux. Alors, moi, c'est une crise, il fait une crise, un peu, on va faire attention, on va faire ça. Il fait strict, il fait attention. Et sans crise, il fait un devin gardé avant pour me faire une avec. L'hôpital général fermé. On se nous sorti pour venir à l'hôpital là. On va jouer un docteur, soit pour tourner en se nous aujourd'hui. Yon mouvement grève, association haïtienne médicale yon lancé. Yon semaine après, yon groupe bandit te fin fait tête yon passé pour juge de paix et puis kidnappé des docteurs yon sel kou nan clinique Microlab nan Riel Ben Port-au-Prince. Nous devons rappeler ou, ça pral gen environ yon mois. Depuis l'hôpital Université l'État haïtien qui yon relé tout, l'hôpital général abandonné ak plusieurs malades en dan. À cause employé ou cap réclamé bonjour conditions de travail. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Martial Ovilme pour la Voix de l'Amérique. Moi c'est Jacques Lambéliseur. Bonsoir. Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Et merci pour fidélité ou ak patience. Moi vraiment quitter mon bras papa bon Dieu parce que c'est lui-même seul qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault et n'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous bisous. One love. Mouah. M'ramasse paquet moi cause habitant pa mize la ville m'pralé mais m'a kito nan bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.